après avoir fait des vœux ou s'être lié par une parole échappée de ses lèvres, et que son père en aura connaissance, son mari en aura connaissance, si le mari garde le silence envers elle, sa femme, le jour où il en a la connaissance, ses vœux seront valables. De vous, elle pas doit rien. Et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. C'est ça que fait. Quel bagage va faire en parenthèse, qu'est-ce que ça? Qui t'est montré dans la zone ça à côté et dans ce sujet ça? Dieu parle, mais comment? Qu'on sensibilité là, qu'on si sensibilité là. Gen bagay wap fè, si le Seigneur pas dit rien et la parole de Dieu te dit, si la loi te dit, le Seigneur pas dit rien contre ça, li garde le silence, li approuve ou. Ou pas prendre? S'il désapprouve ou, li pral bon quelques signes qui pouvaient que le pas d'accord avou. Sous sensible là, c'est sous pas têtu. Ou pral comprendre que le pas avou là-dedans. L'abdou m'ba là-dedans. La bonne parole par le ministère, la bonne signe, la bonne songe, la bonne yon moun qui a passé dans la rue, qui dit une parole quand même, qui attire attention, qui vous fait que le pas dans ça. Allô? Ah ouais. L'elle parle à donne. Ou à juger pour elle, soit faux même. Mais si son mari la désapprouve, le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée et l'Éternel lui pardonnera. C'est ça que fait. Grand principe nous gagnons dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui relèvent la dictature, il y a des gens qui relèvent l'esclavage. Vous ne comprenez pas la Bible. Lorsqu'on veut avec Christ, ou pas déraper ou alpé de parler en pile dans la rue, y a qui te bouche ou dit n'importe qui ça. Ou bien dit m'd'accord, m'pas d'accord. Qui ça Marie m'dit? Qui ça Christ dit dans ça? Et à cause que gon dimension de beaucoup arrivé, Christ travaille avec le ministère pour aider par l'esprit de conseil dans l'église, l'un des sept esprits de Dieu. En quelque part, gon l'ordre, gon principe. Et il dit, si jamais vous arrivez au côté, bouche ou t'achappé, vous êtes d'accord avec un bagaille, que Christ t'a désapprouvé, Christ pas d'accord avant, bon, c'est l'inien comme Marie, je dis pas ça. Et vous avez joué une communication par l'entremise du ministère de Dieu. Et si, même si vous arrivez loin là-dedans, depuis Christ pas approuvé, il dit Dieu le Père a pardonné. Le vœu d'une femme veuve, nous t'a carré là, oui, ou répudier. L'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Lorsqu'une femme de la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule, le jour où il aura connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Verset 14. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler. Frère, ça n'a pas intéressant. En disant l'autre façon, Jésus qui a ratifié et Jésus qui a annulé. Et comme Jésus parle directement, ou pas qu'à elle, il servit avec le nuque. C'est le nuque là que, monsieur, il fait confiance. Parce que roi connaît que l'eunuque là, pape trompé. Ça fait un ministre de l'évangile besoin
sincère avec un peuple. Pas prendre place Christ. Mais aider peuple bon Dieu directement Jean que Christ a aidé. Là ça on va pas monter propre semence pas là ça on pas gain démarche pas on va faire. On pas gain intérêt pas on va défendre. On approche un peuple bon Dieu. Et c'est comme ça on va connait qui ça pour faire. Certaines fois nous parler de Marie le ministère, mais c'est pas vraiment le ministère que Marie a. C'est Christ qui marie dans un ministère. Et l'on ministre fait travail, Jean le Fell, qui est capable d'exercer le pouvoir de Marie, ou bien du mari Christ, dans la vie d'un peuple, mais il faut le connaître pour ne pas toucher le trop loin. Par exemple, un ministère ou un ministre, pas qu'à gagner intimité avec un peuple. Mais elle a préparé l'intimité. Quand tu te bagages ça, yo. Pour songer ça, ou qu'on côté arrivé, ou qu'il limite tout. Veillez s'il fait le droit, veillez s'il pas fait le droit. Oui, Christ a servi avant pour annuler ou bien ratifier, c'est vrai. Mais veillez, parce qu'on limite tout. Et moi, qui dit ça là. La fois où nous chita devant nous là, moi. Moi respecte les relations nous avec Christ nous. Christ c'est fiancé ou c'est lui qui marie ou me position tout. M'a imposé me trois fonds. Certaines fois, m'prend certaine autorité pour me défendre droit parle. Et quand côté moi vais si m'pa ka gè trop succès me déposer me dit prend conne dans lui-même. Gè moun moi dit ça là déjà. Dit moi m'parle avant plusieurs fois ou pas écouter moi, m'quitte Christ fait travail là. Il dit oh pasteur, comment faire quitter Christ fait là? Me dit oui, m'a parle avant longtemps pas quitter, m'quitte mettre travail à faire. Gen ba Christ a réglé avant qu'elle fasse pas quitter me connaît. Là là ka ou a prier ou a louer ou a chercher bon Dieu là. Là entrer dans intimité ou a parler en notre langue, c'est ça nous voulons. Nous poussons pour faire. Nous bon l'autre pour faire. Là arriver là ka ou râler le ciel ou descendre. Nous voulons ça. Ah. En final, quel que soit sort de dit, ou quel que soit sort de fait, il n'y a pas de valeur si Marie ou pas d'accord avec vous. Dans le sens si papa ou pas d'accord avec vous. Bon, là c'est papa, bon, là c'est Marie. Ouais, Dieu le Père travaille avec petite li en harmonie dans l'ordre. Il compte guérir les choses faites. Ouais, c'est lui-même qui délègue autorité à Christ. Il ne pas travailler en conflit avec l'autre. Même nous-mêmes, le ministère de Dieu, nous ne pouvons pas avoir confiné à Christ ni avec Dieu. Nous avons une place, nous. Mais qui est-ce que côté Balak Agati? On est dans le chapitre 5, là, pas du verset 11. Non, si nous voulons aider, nous allons mettre. Télé, là, juste nous racheter le temps. Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras: si une femme se détourne de son mari, si une femme se détourne de son mari, il lui devient infidèle. Et lui devient infidèle. Infidèle. Pas oublier. Leur mari en monde ou fait vœu avec elle. Non pas là dans le monde qui a passé. Pour qui ça faut te baptiser dans de l'eau? Alors on a fait baptême, comment c'est comme ça? Non. C'est l'engagement d'une. Envers qui est-ce? Oui. Et qui vous sauve? Ou lié avec yo par l'engagement. Dieu dans le sens parle dans le contexte li. Christ dans le contexte li. Si Dieu a besoin, il a besoin pour petit li. Et pour ça, il a besoin. Il a besoin pour l'autre bagage. Il a un rapport avec à travers son fils. Parce qu'il a remis toutes choses entre ses mains. Et je dis à Christ choisi un ministère pour son gouvernement. 12 hommes. Il y a 12 portes là pour restaurer. Même si vous ne 12 hommes, mais il y a 12 dimensions, 12 réalités. Gouvernement là. En effet, l'épouse de Christ va former par ce même gouvernement. 12 fois 12, 144. 144 000. Gouvernement de Dieu va remplir ça.
Il va faire différemment. Donc, si vous avez parlé dans l'épouse de Christ, vous avez pour être dans l'ordre. Dans l'île. Pas un qui échappé. Si l'esprit ou pas dans l'ordre, si bouche ou échappé, dit bagay. Sans Christ par la donne, ou mettant, ni pral soit approuvé ou bien désapprouvé. Le problème nous avec un pile monde. Christ qu'on désapprouve, on bagay ou kembel quand même. Ou Christ qu'on approuvé, li la gueule. En nous flexible. En nous qu'on la approuvé, pour nous kembel, en qu'il li. Li annuler pour la guerre. Qui le ratifier pour nous kembel. Qui le pas d'accord avec pour la guerre. Nous sommes sensibles dans le royaume de Dieu. En guise de l'esprit de Dieu conduit nous. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Glory to God. Les affaires, il pas suffit pour recevoir le baptême Saint Esprit. Mais faut gagner assez entraînement dans la parole de Dieu. Entraînement par l'esprit de Dieu dans l'ordre pour capable conduit par l'esprit de Dieu. Donc conduit par l'esprit de Dieu. On conduit intuitionnel. L'esprit de Dieu parler. Ou pas attendre par une voix audible. Mais on a senti mouvement. Le Seigneur va conduire. Qui est-ce qui veut un arrangement spirituel, arrangement divin, quand est que Dieu a cherché une épouse pour son fils Isara? Si réflexion ti pensée personnelle ou pas capable mener on quand on doit arriver mais Jésus tout le monde dit Jésus alléluia soit appuyé sous lui la aide au sorti dans mon changer comportement matin hein si vous voulez. Dame, l'esprit de Dieu touché ou non zone. Côté qu'on fond nan men. M'batame, mes habits, ça a fini en silence même. Dame, mon fond nan men, Dieu le Père. Pour le faire, mon petit lia. Réveillez-vous, senti position avec elle. Repenti, converti, joignez-la avec elle. Quittez le béni. Quittez puissance si touché ou. En tournant dans la lecture. Et lui devient infidèle. Verset 13. Si un autre a commerce avec elle. Si un autre a commerce avec elle. Et que la chose soit cachée aux yeux de son mari. Et que la chose soit cachée aux yeux de son mari. T'aimes tout ça en un petit moment. Côté explication bon là. Dans Nombre 30 là. L'édition bagata sorti dans bouche ou t'a chappé. C'est lorsque ni Dieu le Père ni Christ ne connaissent. Et pas connaît ou pas connaît, mais. Yo bo tan. Ami le Père. Ni Dieu le Père comme Père, ni Christ comme petite li comme fiancé ou. Yo wè dans le lieu secret. Le lapin de si un autre a commerce avec elle. Il n'y a pas exactement dans le contexte mari naturel. Oui, il y a un mari naturel, il y a une relation naturelle, il y a une madame avec un autre mari, avec un autre monde, un autre monsieur. Il y a une femme naturelle, il y a une relation mari avec une autre femme. C'est naturel. Mais Jésus a une relation intelligente sous centre de votre cœur avec n'importe quelle autre instance, n'importe quelle autre situation ou bien quel autre objet. On m'a dit Maria en machine. Ou tellement remé ni, ou ap tire moun bouli. Ou remoun comme ça? Yo pa rele voiture, rele une berline. Et ça rele une voiture. Une bagnole. Le deputant de la machine non. Bah, ça c'est non compliqué qu'on les donne. Une berline, une bagnole. Ma bagnole, ma petite bagnole. Ma berline. Et puis, ça a pigan rien. Là, il mon vaisseau, parce que c'est ma voiture. Et bien, mon qui a un commerce avec lui, c'est personnalité. Il y a mon qui a déchiré parce que, ou dit, on parole qui va aimer. Non, prestige lui. C'est ça que Dieu parle.
C'est le culte de la personnalité. C'est vrai que dans le monde païen, il y a un pilote. Il y a des gens qui croient dans et fétichisme, il y a des gens qui croient dans les bagailles mauvais esprit. En Haïti, il y a des gens qui croient dans la loi. Et m'a dit une simple chose, il y a des gens qui ont une chambre. Il y a un jour pour le dormir dans la chambre. Et moi, tu me fais? Et bien, ici, nous y est. Il y a tellement une obligation, il y a une soirée pour le dormir dans la chambre. Il y a une couleur de choix. Il y a une façon pour le dormir à côté. Le ça, il n'y a pas de rapport dans la même personne. Et si c'est madame ou est, je vous salue pas pour vous. Donc, pas besoin de dire si c'est Christ ou taille. Il y a une soirée, il va dormir à Christ. Dormir avec les esprits impurs. Pendant la soirée, ça, ça a passé. Yo mette dans l'esprit, li, dans la pensée, li, dans l'intelligence, li, toute sa zone démoniaque lavelé. Et c'est ça que fait. Là, ça a pensé moun nan livré à n'importe qui ça. Même monde surnaturel là, li mande, quelque soit divinité que lié, li mande yon intimité. Nous aimons étudier la Diane des Éphésiens. Ils sont déesses de la fécondité. Aux Indes, ils ont un nom. En Asie, et mineurs, ils ont l'autre. En Arabie, ils ont un. Je dis, c'est. Ils adorent sous forme. Et la fête des mères. Ils ont adoration dans ça. Et. Je dis, ils ont adoration. Je dis pas, dimanche pas là. Ils ont adoration qui marche avec tout. Les hommes ont plusieurs adorations sous plusieurs formes de Dieu. Bah, qui, non, zone démoniaque, l'esprit impur. Les hommes qui ont n'importe qui ça, ont fait commerce avec eux, qui occupent la place de Christ. Et ça fait bon citer le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Yes, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans la terre, en moi, comme elle est faite dans le ciel. Glory. Ou alors, bien rapport avec Christ, faut son rapport pur. Maintenant, suivez-vous, qui t'a montré là, je vais vous donner une explication, montre l'ampleur des choses. Je vais vous donner un peu de bagaille. Je vais lire quelques versets dans le Testament là-bas. Mais suivez ça, vous. C'est souillé en secret. Si elle s'est souillée en secret, ça veut dire moi-même avant, pas qu'on est, mais il souillait quand même. C'est qui est de qu'elle tombe dans l'impudicité naturelle, qu'elle tombe dans l'impudicité surnaturelle, invisible ou bien sous ta vie spirituelle, n'importe forme d'impudicité elle tombe là, elle a eu commerce avec une autre instance. Mais elle s'est souillée. En secret. En secret. Sans qu'il y ait de témoins contre elle. Et sans qu'elle ait été prise sur le fait. Sur le fait. Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie. Si Marie avait une suspecte. Et a des soupçons sur sa femme. Oui, et puis il lui saisit d'un esprit de jalousie. Jalousie. Qu'il y a pas la loi pour ça. Dans les ordonnances de Moïse. Pour prouver à faire là pour qu'on ait. Est-ce que c'est ça ou bien est-ce que c'est pas ça? Tenez ça, Walfe. Qui s'est souillé, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée. Cet homme amènera sa femme au sacrificateur. Mais maintenant, ben sacrificateur. Et apportera en offrande pour elle un dixième de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens. Car c'est une offrande de jalousie. Une offrande de souvenir. L'homme offre offrande de jalousie ou pas mettez ni l'encens ni l'huile.
T'as une explication? On allait. Une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Oui. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Les hommes prennent bagaille ça pour faire magie avec elle. Yo, c'est la Bible qui montre nous faire ça. Mais ça a un porté spirituel. Entre parenthèses, qui te me dit où? Gagnons façon pour le ministère de Dieu tester relation avec Christ. Et s'il pas correct, on va subir ça. Regardez ça qu'on va faire. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme. Oui. Et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Qui apporte la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Les papes font un rien. Mais si... C'est non, test sur le passé. Ça, c'est de la loi. C'est un naturel. Allons aller. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira, que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple. De vous parler de l'exécration, à parler de malédiction. En faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme. Dans verset 17, la Bible, elle dit il prendra l'eau sainte. C'est l'eau sainte, oui. Mais il mettait la dani de la poussière sur le sol du tabernacle. Et la mettra dans l'eau. Et la mettra dans l'eau. Yo met ton petit poussière, yo prend un bon tabernacle là, yo mette le dans de l'eau. Parce que yo pral faire yon épreuve d'une iniquité. Yo pral regarder pour est-ce qu'on coupable tout bon. Immédiatement yo mette petit de l'eau, petit poussière dans de l'eau sainte là. Il vient rele l'eau de malédiction. Maintenant attendez. Combien moun ki sonje nous qu'on dit? Même l'atmosphère spirituelle, même la parole, même l'esprit a cabé nous, non? En face, ici, ou pas droit, nous avons maudit tout. Nous pas qu'on dit ça? C'est où pour juger d'être digne de la bénédiction, de la malédiction? Il dépend de qui est souillé face à la présence de Dieu. Glory. Pas oublié, ou pas qu'à tromper Christ. Et sinon, faut que ou pas gagne assez compréhension. Pas de l'huile, pas de l'encens, ni pas ton sacrifice de bonne odeur. Son offrande là, arrêtez, sachez qu'il est le Dieu. On a l'apprendre qui est lié, on a le vivre selon lui, selon Salmando vive. Fais Salmando. Mais pas oublier leur coupable. Vente ou abanflé, cuisse ou abséché. Ça veut dire tout type de malédiction. Biblique. Continuez. Et la femme dira Amen, Amen. Parce qu'elle est d'accord. Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec l'eau, les eaux amères. Il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Pas oublier, verset 17, c'était de l'eau sainte. Il devient amer ou bien apporter la malédiction, leur mettre poussière à la terre là-dedans.
Parce que vous pral éprouver attitude li. Maintenant, t'es tout, l'on paraît devant le temple. C'est non, c'est, yon mène le sacrificateur à calé devant la tente d'assignation avec elle, pour juger car. Ou dans le temple. C'est aussi fragile que ça est. Ça n'a pas dit là, pas grand rapport avec les femmes seulement d'aujourd'hui, mais grand rapport avec l'église. Ni homme, ni femme qui forment l'église, nous avons un rapport ça. Il dépend de qui relation on a avec Marie ou Christ. D'une fois, nous prenons bagarre là, simple, à la légère, nous avons trop d'importance. Il y a maintenant devant la tente d'assignation, il y a maintenant un sacrificateur. Il va le prouver ça. Well, dans un sens, le souverain sacrificateur n'a pas besoin de témoin. Même lui, maintenant, c'est Christ encore. Dans l'autre sens, il a quitté le ministère à prouver ça. Dans un sens, il a quitté le ministère à manier un bagarre fond travail. Non, non, l'autre, c'est Christ dans le ministère qui travaille. Ou bien Christ lui-même prend la responsabilité de le faire, personnellement. Mais non, non, l'autre. Si tu as quitté jalousie, Christ montait parce que l'attitude ou prêté à équivoque. Ou bien parce que on t'a eu une attitude qui montrait que on pas fini avec elle net. Parce que depuis qu'on l'autre relation, l'attitude n'a qu'à la changer. Veillez ça pour eux. Yon mari qui a l'autre relation, l'attitude n'a qu'à la changer. Yon madame qui a l'autre relation tout, qui a l'autre attitude n'a qu'à la. Parce que, il y a deux centres d'intérêt, ou bien il y a une et demi, ou bien il y a une moitié. Il est normal pour l'attitude de changer avec Christ parce qu'on a l'autre relation sous lui. Qui est lié? Ou même seul qui connaît avec cœur. Parce qu'on fait d'une manière cachée. Il y a des gens qui sont bêtis. Ils ne quittent pas le cœur. Ils ont une relation avec l'autre bagaille. Ils ne vont pas dire personne. Ça qui est important pour les gens qui sont très fond dans le cœur. Mais Dieu a gardé qui est lié. Il y a un jour, il y a un soupçon de où. Il y a maintenant un sacrificateur devant le temple. Il y a fort boire l'eau de malédiction. Quitter l'eau sainte. Il y a un petit poussière à la tête. Et finalement, cuisse ou calé séché, vent ou calé enflé. Ou un type moun sa yon dans l'église, y'a pas qu'à produire rien. Au lieu de parole là, son bénédiction pour y'a le juger. Au lieu l'esprit de Dieu t'a béni, non, y'a le maudit. Yo. Parce que y'a pas sincère, y'a pas réel. Y'a pas avec Christ, vrai. Y'a cherché un peuple qui lié en relation avec Christ depuis qu'elle te connaît, elle est fidèle avec elle. Il n'y a pas même besoin de tester ça, yo, parce que il n'y a pas de soulever soupçon. Il y a une relation avec le Seigneur, il n'y a pas même besoin de questionner. Il est fidèle, il est réel, il est loyal, il est correct, il est servi, il n'y a pas quitter espace pour aller poser question. Parce que c'est normal. Glory. Donc, l'on femme non caille, il est correct avec Marie, il n'y a pas besoin de poser question sur ça. Tout baga Marie a pris place. Proverbe 31 n'a pas accompli. Son mari a considéré aux portes quand il chasse avec les anciens du pays. Christ n'en vit, va gagner en place élevée. Il n'est pas paresseuse, il travaille dur pour faire Marie le plaisir. Li Proverbe 31, il a justifié ça à vous. Dans un cœur attaché à Christ. Oh, les gars. On va voir dans Proverbe 31 qu'on est là. Mais attendez ça. Verset 25. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie. Je relève ça l'offrande de jalousie. Il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel et il l'offrira sur l'autel. Il l'offrira sur l'autel. Et... Mais ça connerait certaines femmes. Yo connaît ou pas fidèle. Yo t'a qu'à dire Marie à ça. Mais elle devant ton plan quand même parce qu'elle est brave. Pour qui ça? Elle n'a pas vu les gens connaître qu'elle a trompé Marie. Et Marie, ça lui-même, elle n'est pas naturellement avec l'autre Marie la loi. Elle connaît sous tes trompés. Parce que c'est lui-même qui, même Christ, la même Marie, et même lui-même qui sacrifie à tout. Pour justifier position, la prend l'eau sainte là quand même, la met poussière à la donner, la fait tourner l'eau à mais elle a la forme pour elle quand même, pour vendre au cargo, pour cuire sous cadet séché, parce que faut qu'on prouve sous tes fels. Là, ça y'a pas de pas de fels parce que, ou t'es prouvé ça. Alors, combien de monde qui pas droite,
envers la parole de Dieu, envers Christ, mais pour faire plaisir à la société, la pouvons les droite quand même. Parce que monde ça, il veut faire toute bagarre pour être vu des hommes. Il veut tout le monde approuver pendant Christ pas approuver. Si vous vivez dans une impudicité naturelle ou spirituelle ou contre dossier. Il y a bien pour vous faire boire l'eau de malédiction quand même. Le résultat, c'est que cuisse soit desséchée, ventre soit beau. Faut entendre qui sa mari ou dit. L'elle dit non, c'est non. Même si vous voulez, l'elle dit non, c'est non. Si n'importe qui est, si qui est sentiment naturel, il déclenche pour un jeune homme, une jeune femme naturelle qui parle en volonté Christ. Ouais, Christ permet tout marier parce qu'on naturel tout. Mais non, mon doit être en contact avec elle. Non, mon pas doit être contact avec mon nous aimer. Mais le problème qui veut, c'est que le corps naturel ou impliqué dans des bagages charnels, il implique non mon dans la charnalité aussi. Parce que corps vient le temple. Le temple du Saint-Esprit, c'est vrai, mais il vaut corps. Il vaut non tout. Et en contexte fragile. Libre autorisation pour marier, pour corps physique ou. Mais même mari ou mari avec, ou bien madame ou mari avec, elle n'a pas de autorité sous l'amour. Et ça fait, mon moment complexité qui existe. L'homme marié avec un monde qui parle dans l'évangile avant, qui parle quoi même avec vous, qui parle pas de Dieu, d'esprit même avant, qui parle quoi dans la parole vivante et permanente de Dieu. Li marié ensemble avant, li a autorité dans la vie ou bien autorisation, pas qu'on est arrivé là. Maintenant, Kounye là, il pral menon kote l'vle ou alle, ou même par érotisme, ou pral suivre li, nan mou en danger. Maintenant, mais on te baptisé dans de l'eau, ou te font vœu. Mon baptisé d'esprit, ou ressuscité de la mort. Ou te de la parole de Christ, si c'est semence de Christ, ou te commencé ou te laver. En d'autres termes, ou fiancé ou marié. Parce que fiancé, tout près avec mariage, c'est l'antichambre du mariage. Son vœu important, son premier engagement lié. Et puis après son vœu, il va aller sous d'eau parce que je ne m'en remets naturellement à lier. Alors fini, il va le faire offrir une offrande de jalousie. Ou va bien vous expliquer Christ sans faire baptême d'eau là. Ou va bien vous expliquer sans faire baptême cet esprit où tu te demandes à ce que je joigne. Ou va bien vous expliquer qui sont fait avec toute semence la vérité. Que tu enseignes depuis des années, que le ministère de Dieu, comme le nuque du royaume, a enseigné au bas ou à son palfavel. Dans 1 Corinthiens 11, mettez-le de l'autre façon. Celui qui boira la coupe ou qui mangera le pain sans discerner le corps, mangera un jugement contre lui-même. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Pour qui s'en a dit toute bagaille, ça, yo? Nous t'avons mon droit. Fidèle envers Jésus. Pour faire avec compréhension. Juif doit naturellement. Ni Dieu ni Christ pas mauvais chose ça. Yo konnen naturel. Mais pas dépasser limite. Chaque bagage a limite yo. Même dans mariage ou capable forcer la limite. Capable quitter principe derrière ou tomber dans l'autre zone. Non vivre naturellement. Ou doit faire comme vous. Ou travail ou faire, c'est comme poche ou lié. Le Seigneur n'a pas d'accord, je vais dépenser. Parce qu'on est fiancé, Christ. Va lire toute libre ça. Et ça fait Paul dit. Et je vous ai donc, frère, moi le prisonnier dans le Seigneur. Glory. Oh, oui. Il dit, qui misait ça? Oui, est-ce qu'on va perdre un jour? Est-ce qu'on va perdre un monde qui te joint nous? Sans qu'on va fiancer avec elle fidèlement. En nous dit spirituel, je veux dire. Ou pas jouer avec relation gain avec ni Dieu le Père comme Père, ni Christ comme mari ou fiancé. Il est impossible pour tromper. Ni contre faux cœur. Oh oui. Qui t'aime dire un bagage de dit tout à l'heure, et je vais répéter encore. M'a invité au bout. Raffermir relation gain avec Jésus. Ou pas besoin de regret, fidèle, réel, loyal, spirituel. La bénie. Il est le Dieu juste, le Dieu fidèle. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Nous parlons même là. Que le nom du Seigneur soit béni.
Mais avec relation nous gagnons avec lui, nous louer lui. Nous étudier parole lui. Que son Seigneur soit béni. N'a fini reste ça là. Verset 26. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir. Comme souvenir. Et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux amères, les eaux à la femme. Verset 27. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Et la fête, parce que les cuisses ou faim, ventre ou gros, pas capable ça. L'autre a commis des pas droit, mais l'autre fin ou de l'eau, hein, tu ventre ou gros, cuisse ou faim à voir. Verset 28. Si la femme ne s'est point souillée, et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Verset 28 là, Christ pas besoin. C'est seulement mon mari naturel qui besoin ça. C'était la loi. Mais elle est le souverain sacrificateur, il pas besoin ça. Si elle quitte toutes les démarches au fait, c'est pour attirer l'attention, pour convaincre et pour prouver place sous la mitan peuple bon Dieu. Mais Christ connaît réel, il connaît pas réel. Mais je ne veux pas prendre trop de temps. Je vais vider l'autre portion. Mais avant de lire, je me dis ça. Dans les mains, nous développons une relation fidèle avec Christ. Si vous n'avez pas gagné, nous avons un amour pour lui. Que vous m'attirez attention sur ça. Ou pas gagner l'amour de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu vas gagner ça, mais écrit. Si l'Esprit de Dieu pas répondre dans la vie ou avec abondance, il pas porter venir l'amour de Dieu. Parce que dans Romains chapitre 5, il dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En dehors de l'Esprit de Dieu, ou absenti bouleverse, trouble, insécurité, ou absenti malaise. Depuis l'Esprit de Dieu va occuper vie, ou absenti ou pas satisfait, ou absenti haine, jalousie charnelle naturelle, jalousie de charnel, moun qui raison vient de dire ça. Ou absenti la vie ou vide. Mais l'Esprit de Dieu dans le cœur, la vedo vainqueur sous toutes les chanalités, ça y est, il ouvre porte cœur pour une vertu spirituelle. On peut que vous un service avec un haine dans le cœur, ou raillon, ou nous parle, ou elle est là dans le service là avant, ou pas même adorer parce que là. Si jamais Christ t'a gagné miséricorde pour vous, il t'a permis que l'Esprit bon Dieu touche vous, l'enlever, mais on l'air. Sous ta sincère, c'est même sous une faiblesse là. Vous commencez à louer mon Dieu. Et l'Esprit de Dieu remplit vie. L'a déposé l'amour la donne. Même moun sa pas de vle ou a cherché le ballon à collade. Parce que l'Esprit de Dieu change de disposition cœur. Seul l'Esprit de Dieu qui a fait ça. Merci Seigneur. Dégageons, remets Christ. Remets fiancé. Ou pas qu'à faire constamment, faire par la prière. Amour, gagne niveau la donne. Sou pas remets là, c'est remets plus. Mais qui j'en remets bon Dieu avec Christ. C'est le premier, le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton être. Le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans chaque guinée, ça c'est que Christ pas prend rien dans mon pas réel. Depuis qu'il va gagner tout cœur là-dedans, il va vouloir. Au cas où il quitte là en attendant.
L'apte nous mettre reste là sous lui. Il y a des images de femmes qui étaient prouvées que l'on aimait Jésus. En nous, Luc chapitre 7. Verset 36. Lis ça, Aboué. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et se mit à table. Ouais, Jésus même pharisien le mangeait avec lui. Il va d'accord avec elle, mais il mangeait avec lui. Quelle charité. Attire attention sur ça. Mais verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Lui dit une femme pécheresse. La ville pas bon qu'elle péché là-dedans. Mais elle prend le mot de Christ, il y a l'autre bagaille. Ça le fait. Et ensuite qu'il était à table dans la maison du pharisien. Dans la maison du pharisien. Apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et se tint derrière, au pied de Jésus. Il va passer devant, non? Il va digne de ça. Il connaît son pécheresse. Se tint derrière devant Jésus. Elle pleurait. Elle pleurait. Et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Alléluia. Les baisa et les ouïe de parfum. Comment ça veut dire? Cheveux dans la Bible sont couvertures liées. L'homme prend cheveux pour le suer pied. Il remet l'autorité. Son grande humilité. Parfum ville. C'est tout ça le gagné. Quand je viens de l'île, non. Dans Marc 14 là. Il dit un vase d'albâtre plein de parfum. Glory. C'est toute ça la vie où gagne la donne. Parfum dans la Bible représente la connaissance de Christ. Qui en odeur. La parole de Dieu qui en pratique dans la vie. Il est vrai que péché reste là. Pour qu'on gagne la parole de Dieu, mais elle est sincère. Quand on soit à niveau, là, bon bagage pour offrir. Normalement, c'est casser le vase d'albat là. Là, on va se plaindre avec un parfum là-dedans. Explication, on ne peut pas déboucher le nom. Le casser. Alléluia. Là, on casser, on va pas le serrer là-dedans encore. Je dis, il y a un parfum en spray. On va mettre un petit spray là, on va mettre un petit bagaille. Là, je viens de pied, Jésus, c'est casser pour casser sous lui. En d'autres termes, on brise la vie ou dans pied. La guerre, tout ça, on gagne dans pied parce que je viens avec lui. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à dire. Mais parle, répondit-il. Glory to God. L'Ipral dit on bagaille là, qu'il n'y a pas de rapport. Mais, c'est verset 20, c'est verset 48 là, qu'il résumé tout ça. Vous pouvez lire ça, souvelé. Et dit à la femme. Et Jésus dit à la femme. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Oh oui. Mais ça que vous l'avez dit. Jésus attend nous verser tout ça gagné dans le fond cœur au bout. Il a pris un fardeau. Il a pardonné péché. Ou t'es pécheur ou pécheresse. C'est vrai. Mais l'envie de tout ça gagné dans le pied. Ça c'est femme l'arrière-saison. Il y a un noir venu la guerre sur la tête de Jésus. Mais on l'a sous pierre. C'est ça l'église, ça, après, s'il a fait. Non, sans sous ces pécheurs ou pécheresses, tout. Nous, pourquoi avoir une perfection? Nous, on a tué le péché. Nous, qu'on peut-être parler le monde des épis. Mais le Seigneur attend nous pour nous briser en vase. Ou toute vie, nous. Vase, c'est vous-même.
Vous brisez le sentiment, brisez dans l'esprit, versez sur les pieds de Jésus tout ce qui est important. Parfum de prix. Passerez rien pour lui. Livrez, balle, balle tout. Parti crasse. Laissez-le, il va connaître qu'on remet tout bon. Alléluia. Gardez bien vous. Jésus a cherché des hommes et des femmes qui remènent à tout cœur. Il démarre attention sur ça. Tendez l'abédo. Nous, chaque fois, subissons une épreuve d'amour. Même j'aurai la foi éprouvée, amour pour aller éprouver tout. Et même chaque grain de monde, ou pour aller passer un test d'amour pour Dieu. Il y a un monde qui passe dans le jeune âge. Il y a un monde qui passe dans le fin marié. Il y a un monde qui passe dans le vieillesse naturelle. Mais quand on soit stable, lié dans la vie, ou pas pour passer une épreuve d'amour. Dans l'épreuve d'amour, ou pas pour l'enjeune avec Jésus. Dans la période de temps, cette tête-là, rejoindre, mais dans la période de temps, ces pierres rejoignent. Brisez, vas dans le bat dans le pied. Pas balle, t'y crasse, balle tout, passez rien pour lui. De vous jouer avec elle, balle sale mérite. Lui mérite toute vie, parce que c'est lui qui baroule, c'est lui qui crée, c'est lui qui bat tout son gain. Même pas fin, on va tenir avec elle. C'est lui-même qui permet de jouer ni. Et bien, balle il encore, livre-le dans le pied, lui. Après, remène avec tout son gain qui est meilleur. Si vous avez connaissance, mettez-le dans le pied. Vous avez un corps, mettez-le dans le pied. Force ou, mettez-le dans le pied. Énergie, toute sorte à posséder, mettez-le dans le pied. Puis belle rade ou gagne, vine l'église avec elle. Mais là, m'achetons un rade avant, m'allons l'autre côté avec elle, vine l'église avec elle avant. M'bad ou fait, comme ça, mais c'est comme ça m'fait. Et comme ça, vous êtes à apprendre, moi. Là, m'fait que font pour t'aller, l'église vine l'avec elle avant. Côté m'en avec encore. M'allons Obama avec elle. M'bad virer, mais Obama que Christ. Y'a pas même qu'on aime exister. Mais Christ avait même chaque jour. Il prend soin, moi. Oh, mon honoré ou Jésus. Moi, adoré ou Père. Oh, que tout sac nous, moi, loué l'éternel. Mon âme bénit l'éternel. Dans la même vie, moi. Présentez-vous. Offrande de louange qui est acceptable. Pour l'acceptable, faut gagner l'encens sous lui. Faut gagner l'huile, faut gagner sel. Faut l'approuver de Dieu. L'homme paraît devant le trône de Jésus pour bagaille. En désordre. Comme ça, on paraît, mais m'gagne compréhension. M'gagne pas offrir. M'gagne arrangement. M'gagne le galbanum. M'gagne un élément de sauteur. Que mettez dans l'offrande là. C'est bon, vie vite, moi, offrir, ou bien qu'il y ait mauvaise odeur. Mais l'homme paraît devant le trône de Dieu. Oh, Christ accepte-lui. Lui approuve-lui. Combien de monde qui voulait changer tableau, combien de monde qui voulait changer offrande, là? Qui est-ce qui voulait changer sacrifice, là? Qui est-ce qui t'a aimé entrer dans l'intimité avec papa? Normalement, ne faites pas Christ. Parce que l'autorité, l'image, l'in en petite lia. On l'autre dans ça. Avant aller matin ou bien après-midi. Dans un mot transporté. Dans une dimension céleste. Pour entrer dans l'intimité avec elle. Pour commencer à sentir un bagage ou pas sentir avant. Alors, les derniers versets, ça, dans Jean chapitre 12.
Bah, qui te loue, bon Dieu, tout à l'heure. Et m'vlo l'ouel. C'est pour ça, m'la, pour m'encourager l'ouel. Bon, bon monde qui perdu en train de la louange. Bon, bon monde qui paraît trop sérieux dans le monde, trop sérieux. Maman, c'est pas que chanalité derrière sérieux, ça, moi, ya. Figou trop sérieux pour moi. Moi, j'ai levé les yeux vers le ciel, levé mes mains vers le ciel. Moi, j'ai dit Jésus, remène. Levé mes mains, dis bonjour, remène. Jésus. Alléluia. Alléluia. Va arriver sous dans le comme ça. Mais allons lire Jean 12 là. Six jours après la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui l'avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. On lui fit un souper. Marthe servait. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. La, Marthe toujours a servi. Mais Marie toujours dans l'autre contexte, dans l'autre esprit, dans l'autre compréhension. Il y a tout un groupe qui s'arrête à l'église. Il y a quoi dans sa vie bagaille naturelle? C'est toujours dans l'église. Même table là, même l'église là. Même zone là, même quoi dans sa vie bagaille naturelle seulement. Mais Marie était dans l'autre révélation. Qui ça le fait? Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard. Attendez, un parfum de nard. Pur. Un parfum pur. De grand prix. De grand prix. Oint les pieds de Jésus. L'allait lui vider sur les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Ensuite, lui essuyait les pieds de Jésus avec son cheveu. Quel honneur! Mais. Quelle considération! Quel ordre! Quelle compréhension! Quelle bénédiction! Les joignent Jésus, l'espace les joignent, les joignent, ils vont joindre tout le temps, mais ils vont prouver Jésus que le même. Ils cherchent une livre de parfum de nard, de grand prix, ils cassent toute vie de sous pied Jésus. Je fais ça parce que je m'aime. Je fais ça parce que je m'aime avec. Alléluia. Alléluia. Et la maison fut remplie de l'odeur. Du parfum. Du parfum. Ça, c'est l'église. L'autre, on a pris ça de parfum. Ça, c'est son cœur. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, il parle de l'odeur de sa connaissance. Avant de finir ça, regardez le bouet. À partir du verset 14, pas vrai? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur. Non seulement l'odeur, mais l'odeur de sa connaissance. Ça veut dire l'odeur de sa connaissance. C'est une parole en connaissance en pratique. C'est pas seulement une parole dans la bouche. Mais, odeur là, la lit. Glory to God. Gloire à Dieu. Les parfums ont tombé dans la vie ou ex. L'essence du parfum tombe dans la vie ou liba sous vous seulement, mais en pratique li exhalé. L'alléluia. Les l'autre monde prend son parfum en sous li inspiré yo, pour aller acheter même parfum en tout, puis qu'a possédé dans la vie yo. Et si un jour Christ a passé, puis au casser vase là sous pied Jésus tout. Inspiré monde remet Jésus. Christ avait nous en retour. L'autre, on se mange d'amour dans le cœur, l'autre. Oh, il va lever.
Christ va venir. Nous sommes en effet pour Dieu. La bonne odeur de Dieu. Attendez, oui, nous sommes. Ça, c'est le Nouveau Testament qui a parlé là. C'est Paul qui a expliqué. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés. Parmi ceux qui périssent. Ni en dans l'église, ni en dehors de l'église. Là, aller en dehors, vous pouvez avoir une odeur de corruption. C'est pas sans corps qu'il a besoin de prendre. Mais il a besoin de prendre sans l'odeur de Christ. C'est connaissance liée en pratique dans la vie. Verset 16. Aux uns une odeur de mort. Aux uns une odeur de mort. Dans la mort. Il a parlé de ministère juif là. Qui pas de Christ dans la vie. Il a pas de la connaissance de Christ. Il a été rejeté. Il a battu. Finalement, il a crucifié. Il a pas de temps pour acheter parfum de lui. Il a pas acheté extrait. Il a pas de ni. Mais les 12 apôtres prennent pour acheter l'extrait du parfum de la connaissance de Christ. Et Paul vient de gagner. Il a la connaissance de Christ dans la vie. Les gens sont cassés. Ils font souffrir. Ils parlent mal. Ils sont froissés. Ce n'est pas odeur par qui apparaît. Mais ils ont un bon esprit. Les juifs n'ont pas d'odeur dans la vie. C'est une odeur de mort. Parce que c'est un cadavre qui est gagné. Ils n'ont pas l'eau de purification pour te nettoyer. Mais t'es une odeur de mort qui bat la mort. Osez une odeur de mort donnant la mort. Mais aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Quand nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, c'est avec sincérité. Avec sincérité. C'est de la part de Dieu. C'est de la part de Dieu. Que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est sa femme Maria, c'est son affaire. Même j'ai avec Marie. La cherche un parfum de nard de grand prix. Il pourra le prendre, il pourra le briser. Il pourra le viser, il pourra le vider tout parfum hein, sur les pieds de Jésus. Je dis à ses pieds à nous joindre. On adore. Nous donnons une situation de pieds, je dis à. Fais tout ce capable. Fais tout sacrifice qui est nécessaire. Fais bon Dieu plaisir. Fais le conseil de Dieu plaisir. Dieu le Père comme Père éternel. Christ comme fiancé ou mari. Fais le plaisir. Finalement, les gens approuvent. Dans sa parole, Dieu va demeurer dans vous-même. Ou même tout va demeurer dans vous. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Là, ça, c'est pas de l'eau de malédiction, va boire. La vie va approuver de Dieu. Le ratifier ou d'accord. Le désapprouver ou tout coopérer. Parce qu'au temps de nous suivre lui. Ou qu'on est la vie ou pas libre. Ou qu'on est fiancé, ou qu'on est mari, ou qu'on est Christ. M'a le ventre moins gros. M'a le cuisse moins sèche. M'a le albret de l'eau de malédiction. Ou pas qu'on l'envoie. Mais c'est sacrificateur avec bon bouel. Va oublier ça. Selon l'esprit ou selon portion. Mais on dit ça fait sens pour. Selon l'esprit ou selon portion. Ça on mérite à celui ou à joindre, même si tout le monde chita là. Puis quand on comprend la parole de Dieu avancée, et puis il fait même effet pour chaque monde. La parole de Dieu enseigne son bénédiction pour une. La parole de Dieu enseigne son malédiction pour l'autre. Selon acte. Selon acte caché ou ka méritons boire de l'eau de malédiction. Mais sous sincère, il va faire rien. Et même de l'eau. Sous réel, la levée vie. C'est même de l'eau. On tourne dans Jean 12 là. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres. Gardez l'esprit, lui. Judas te remet l'argent, t'es cupide drop. Il pas à faire ça, Marie, faire. C'est pas vrai. Il pas de gagner l'esprit, bah, pauvre, comme. C'est l'esprit qui pas de droite.
Li pa ta pa adore Christ vrai. Li trouve son gaspillage. Son excès pour vider tout bagay ça sous pion homme. Li pa mérite tout ça. Et les pauvres. Ça fait qu'on bonne gap défendre pauvre, je dis pas gen bon esprit. On cherche les pieds de Jésus. À nous répandre l'odeur de la connaissance de Christ. À nous vider le soupir. Joins le ministère. Joins le peuple là. Lave les pieds. Prends soin. Prouvez l'humilité. Bâtis la vie. Prouvez au remède Christ. On va avec Christ naturel. On va avec Dieu naturel. On va avec yo. Lave les pieds. Bénis. Yo. Pas parler au mal. Priez pour yo. Restez avec yo. Jusqu'à ce qu'un jour, mon Dieu va lever, yo, va lever au tout. En nous, bon esprit dans le corps de Jésus-Christ. En nous, bon odeur de mort qui donne la mort. En nous, bon odeur de vie qui donne la vie. Verset 6, il disait cela. Donc il se mit en peine des pauvres. Mais parce qu'il était voleur. Mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Tout ça, il mettait là-dedans, il prenait. Judas, son type de ça. Christ connaît la voie, les copies, il va dire rien. Mais il va le prendre tel dit à l'heure. Il a tellement aimé les copies, il a vendu Christ. Il était avec Christ pendant tout le jour. Chaque fois Christ prend l'autre disciple, il prend tout. Mais Christ connaît le voie quand même. Il prend patience avec elle. Il va dire rien. Un jour, il va le prouver. Parce qu'un bon jour, il va prouver l'esprit. Même si Christ quitte là, un jour, il va prouver l'esprit. À nous veiller. Là où bas nous boit potion. Pour la faire votre nous go. Avec qui nous sèche. Si qui nous sèche ou coupable. Mais si vous pas coupable, vous pas gagner. Au contraire, vous béni. Mais ça, Jésus dit, verset 7. Jésus dit, Jésus corrigeait ça. Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. On a toujours un pauvre, mon pape toujours un mavor. Pendant qu'il en est temps, on ne pouvait Christ que nous remène. Sans mon pas forcer, sans mon pas de répéter ou ça, sans mon pas goumer à verre. Levez-moi, on a dit Jésus, amen. Oh, continuez à dire ça. Souremène, tout le monde dit ça. Prouvez qu'on remène. Mal fini qui t'aime tout ça. Sauté qu'on a prié pour bagaille naturel, bagaille matériel, bagaille personnel, font-il quitter ce côté. En aller devant Dieu le Père. Changez requête là, mandez l'autre bagaille. Mandez l'amour pour lui. Nous avons prié comme ça matin. Sois l'esprit et attachez-toi avec les bagailles de ce monde, les choses de ce monde. Des bagailles qui sont naturelles. J'y retourne ces aïeux pensées. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Faut changer ça. Sois cœur attaché à l'étude trop. Virer son cœur sous Christ. Sois cœur attaché à l'érotisme trop. Ou à chercher moun pour aimer. Virer raison. Qu'on piège dans l'érotisme. Quelquefois on pense que son moun ou aimer, c'est tête ou aimer. Donc je dis ça et m'a répété parce que m'couais dans ça.
Dans l'amour érotique, il n'y a pas je t'aime. Il y a je m'aime. Pourquoi ça moun pas chercher moun sou cabane de l'hôpital pour remen? Bon. Bon, si soeur qui te. Dans l'orphelinat ici, elle devine à 5 ans. Qu'est-ce qu'on est, ni? Là, on l'écrivait parce que l'écrivait pas de quelqu'un veut encore quitter aller. Quitter boy ici à l'âge de 11 ou 12 ans, la jeune parent. Il marie avec un médecin. Tellement il y a un médecin, hein, tout, les amis médecins rencontrés avec Dieu, il dit ça c'est la fleur de ma vie. Il vient grandir, il grossit, il vient en cheveux, il, toute qualité bagaille. Pendant la fleur de sa vie, on commence à dire prendre. Il desséché, il maigrit autant que moi, l'on l'aime, pas qu'on dit c'est lui. Ma chambre qu'on dit c'est lui. Je dois jouer dans ce avec lui, avec Chelunel. L'air tombe dans la condition ça en tant que médecin. Il va dormir dans le même champ avec encore. En tant que médecin. Il a les amis, il y a connu, c'est lui que madame ni encore. Il dit ça tout clairement. Les tout amis médecins, il y a eu madame, il y a côté, il n'y a pas parler avec ça. Pour me dire madame, moi, lié. Mais c'était la fleur de sa vie. C'est fleur, elle te remet, elle paraît, mais. Squelette là. Mais qui aime tout ça qui va après? Un bonjour, un miracle qui fait, Jésus commence à toucher. Il recommence à grossir encore. Pendant que tu es maigre là, il voit le divorce Bali. Il arrive dans le tribunal là, le juge a commencé à travailler sur lui parce que je dis pour qui ça va quitter l'autre là, il y a deux timons avec elle. Il vient dans le travail, madame, il dit nous quitter ça non. Il dit, c'est pas la première fois deux mouns qui te retournent ensemble. Quand il y a un tisseur qui vient de me conseiller moi-même, il dit, sans moi, c'est m'ta fait dans le bagage ça. Parce qu'il a toujours songé. Il tournait l'église, il tournait encore. Il fait erreur, pas de convertir, il tournait tourné dans la zone. À l'autre côté. Il m'a dit, ça pour me faire dans ça. Il me dit, ouais, monsieur, ça, c'est fleur altérée, mais pas très mon vrai. Même s'il tourne avant, coup malade encore la p'quito. Même le professionnalisme, ou ta médecin, y'a pas à prendre médecin, jeter moun jusqu'à ce que moun en mouri. Fais tout ce capable pour le vivre. Un médecin. Finalement, quitte le karati moun yon l'allé. Ben, ça te fait mal. Jusqu'à présent, quitte le. C'est Jésus seul qui va quitter. Moi, dis, c'est lui seul qui va quitter. Et ça fait tout son fait dans le Seigneur. Nous avons visé mes trois points. Nous avons demandé au Seigneur pour mon amour pour vous. Mais ton amour n'est qu'à moi. Et fais-moi sentir qu'on parti. N'en quoi à coup. Quelle que soit la direction de la vie ou après le naturel, pas jamais aimé en rien plus que Jésus. Si vous regardez où l'amour a fané, pas jamais quitté ou aller au-delà. Ou qu'à grand pile connaissance, connaissance n'a pas qu'à faire rien pour vous. Bon, place ou à privé, c'est Jésus ou a besoin. Ou qu'à bon coup comme l'a pas qu'à faire rien pour vous. Bon, place ou à privé, c'est Jésus qui a sauvé vous. Quand on a une relation avec les amis, il n'y a pas qu'à guérir, il n'y a pas qu'à délivrer, il n'y a pas qu'à prendre soin, il n'y a pas qu'à faire rien pour qu'on soit là. Mon côté va priver, c'est Jésus qui va pour elle. C'est amitié là avec eux qui va aider. Je dis à un bon conseil. Restez avec lui, pas abandonner lui. Lui va utile, lui va prendre soin, lui va délivrer. Et si jamais, m'da wè bagay naturel, mwen yon pou ko mache. M'pa pa abandonne le pou sa. Si l'pou ko guéri mwen, m'pa pa kite le pou sa. Si l'pou ko bon bon mari, m'pa pa kite le pou sa. Si l'pou ko bon bon madame, m'pa pa kite le pou sa.
Si vous avez un petit cobre, je vais quitter pour ça. Si vous avez un bon travail, je vais quitter pour ça. Si la famille m'a abandonné, je vais quitter pour ça. Si mon qui était plus près, je vais quitter. Je vais quitter pour ça. Mais c'est lui seul qui m'a abandonné, moi. Jésus. Ma vie est plus près. Ma vie va vers. Ma vie est plus près. Si le Seigneur comme il aurait mené. On nous rappelle sous pied, non? Dis le Seigneur comme il aurait mené. C'est ça qu'on a prêché. C'est ça qu'on a enseigné. C'est ça qu'on a aimé faire. Là, mon rivon côté. Ou dit Jésus comme il aurait mené. Dis-le comme il a apprécié. Levez-moi là. Dis-le comme il a apprécié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dis-le comme il a aimé. Dis-le comme il a apprécié. Dis-le comme il a levé dans la vie. Comme on veut être fidèle envers lui. Jésus. Jésus soit béni. Jésus soit béni. Jésus soit béni. Jésus soit Prouvez le Seigneur et menez. C'est ça nous voulons enseigner. C'est ça nous voulons inspirer. C'est ça nous voulons prêcher. C'est comme ça nous voulons faire. Prouvez le Seigneur qu'on remène à tout cœur. Prouvez ça. Dis-lui, prouvez. Dis-lui et prouvez. Alléluia. Oh,
Yeah.